J'aimerais bien, parce que ça, on peut pas savoir. Bon, mesdames et messieurs, on en était où? Du coup, Super Meat Boy, voilà, on a eu le débat sur, sur la PS5. Voilà, c'est excellent. On a bien débattu, ça fait une heure qu'on a démarré le live, on n'a même pas démarré Super Meat Boy. Super Meat Boy, grosse soirée Super Meat Boy. On va pouvoir continuer à parler si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'en étais au chapitre 4, Monde Noir. Il faut que je lance le rec. Chapitre 4, Monde Noir, donc je le rappelle. Bam, Super Meat Boy, top 10 des jeux les plus compliqués à platiner. Je sais pas où Kajin. Bien sûr Camo, mais bien sûr. Tu penses réussir The Kid? Je l'ai déjà The Kid de Humility. Pourquoi tu streams si tard aujourd'hui? Parce que j'ai envie de faire une nocturne. Voilà. La PS5 normale, c'était 70€ de marge. Vous vous rendez compte, la dinguerie? Et derrière, on va aller acheter des produits... Derrière, on va aller acheter des produits à 40€, alors que les acheteurs les payent 5€ sur AliExpress. On est là, waouh, ouais, putain, j'adorais ce produit. Oh, j'adorais mon truc qui me permet de couper mes carottes. Bref. Du coup, on va souffrir, voilà. Là, je pense qu'on va commencer à souffrir, les gars. On est au chapitre 4, Hell. J'aimerais bien avancer. J'aimerais bien un petit peu avancer. Mais voilà, vous avez mon petit avis sur la PS5 Pro. Mais de toute façon, on sait très bien que maintenant, on peut plus... Tout est négatif, maintenant. Tout est négatif. Mais là où je trouve ça dommage, c'est que... C'est que les influenceurs sur ce débat-là participent aussi à ça, quoi. Participent aussi à ça, quoi. Et je trouve ça dommage, quoi. Enfin... Après, encore une fois, moi, je trouve ça salaud que Sony ne sorte même pas une version avec un lecteur CD. Je trouve ça vraiment assez... Vouloir aller sur le marché du full des maths, pour moi, c'est vraiment de la merde. Ça pue sa merde. Le move de Sony de même pas sortir de console avec un lecteur CD intégré. Ça, en fait, ça... C'est pas grave en soi, parce que t'achètes le lecteur CD en plus, 100 balles, voilà, et tout. Mais ça en veut dire beaucoup, en fait, sur leurs intentions. Sur leurs intentions futures, et je trouve que ça, par contre, c'est vraiment de la merde. Et ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toutes les personnes qui disent que c'est de la D. Parce que merde, on est des geeks. On veut nos boîtes de jeux vidéo. On veut nos boîtes de jeux vidéo, putain. Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Ah, oh, qu'est-ce qui m'a tué là? Ah, je vais trop vite. Je suis allé trop vite. Oh merde. Oh merde, j'avais pas compris. Oh! 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 J'ai trop de chat. J'ai trop de chat. Salut Argos. Argos, ça vaut quoi? Le Blu-ray, c'est juste pas assez rentable. Logistique, les marges des magasins et autres. Bah bien sûr, Jus, mais je trouve que c'est là où il devrait faire un effort, tu vois. C'est là où il devrait faire un effort et se dire que... La communauté... Des maths, c'est le PC, quoi. Et pour moi, c'est pas worse pour eux de se diriger vers du des maths, parce que dans ce cas-là, tout le monde va aller sur PC. Moi, si j'aime la PS5, c'est pour la DA que ça engendre, tu vois. Pour la DA que c'est d'avoir mes boîtes, mes genre, c'est pour ça que j'adore la console, tu vois. J'ai un PC, j'ai les moyens de m'acheter un PC qui peut faire tourner les... Si je veux, je m'achète un PC à 4 000-5 000€ et puis voilà, quoi. Et puis, ce sera toujours mieux qu'une PS5, c'est super. Et puis, je fais mes vidéos sur Steam, etc. Mais moi, ce que j'aime, et je pense comme beaucoup, ce qu'on aime, c'est la DA, les boîtes et tout, avoir nos petites boîtes et tout, c'est fou. Merci beaucoup, Céleste, mon gars, ça fait plaisir. Enfin, bref. Moi, je trouve ça vraiment pas cool, et même pas forcément worse pour eux, sur le long terme, de... C'est vendredi, Argos. Je trouve ça même pas ouf, c'est pas ouf, et c'est même pas tant worse que ça pour eux, sur le long terme, d'avoir... Oui, sinon, ce sera trop lent. Ah ouais? Ah merde. De partir sur ce marché du full des maths parce qu'ils vont y perdre.
J'aimerais bien qu'ils fassent des boîtes de jeux Steam. Non, parce que ça n'arrivera pas. Putain. Toujours physique sauf si introuvable. Exactement pareil que toi. Alors moi, il y a des exceptions des fois parce que, bah, par exemple, quand genre je dois acheter un jeu vite pour un stream ou quoi, et que j'ai pas le temps d'attendre que la livraison Amazon ou quoi, bon bah voilà. Mais généralement, je rachète mes jeux. Je rachète mes jeux. Ça arrive très... Pour soutenir le marché du physique, je rachète mes jeux. Et c'est pas des blagues, hein, regardez. Je peux vous montrer. J'ai Stray en démat. Stray en démat. Resident Evil 4 en démat. Hello Neighbor. En physique, pardon. En physique. Hop. GTA 5 Human Fall Flat que j'ai racheté en physique aussi. GTA 5 Human Fall Flat que j'ai racheté en physique. Alors que ces jeux, je les ai sur le... Alors que ces jeux, je les ai en démat, tu vois. Mais c'est juste pour soutenir le... C'est juste pour soutenir le physique. Tous ces jeux, je les ai en démat. Parce que j'ai... Merde. Parce que j'ai dû les acheter rapidement pour un live ou pour un truc. Et j'ai soutenu le... Et pour soutenir le marché, et j'ai évidemment acheté neuf sur Amazon. Encore sous blister, certains jeux. Ah bah oui, ceux que je t'ai montré là, ils sont sous blister. Ah bah oui, de toute façon, c'est sous blister, ce que j'ai montré, Simba. On va les ranger, non? Non, c'est bon, t'inquiète, je les rangerai plus tard. Oh, le perfectionniste psycho. Où je le vois, le perfectionniste? Pourquoi t'as trois trophées YouTube, au fait? Parce que moi, j'ai une chaîne D7RL. Qui était basé sur Rocket League, là on est aux 500 000 abonnés sur cette chaîne. Ah oui, je vois, ok d'accord, donc c'est vraiment mort en fait. Et je vois des trous, ça me tend. Ah merde, putain, c'est vrai. Ah, je pensais pas que c'était vraiment mort de chez mort, Héraldir. Je me suis dit, bon, allez, avec un petit peu de skill, peut-être ça marche. Ah oui, putain, effectivement, ouais. Ok, je vois. Merde. C'est toi pour les mecs, je viens de finir. Merci mon gars. Bon après j'ai... En vrai j'ai beaucoup ragé mais c'est que vraiment ça commence à me tilt là. Rocket, j'ai vraiment l'impression de... pas avoir de chance mais bon. Faudrait que je prenne plus sur moi en vrai. Merde. Non. Merde. Terrible. C'est terrible de devoir passer de The Kid à Meat Boy. Merde. Je veux savoir comment tu vas. Bien, ça va très bien et toi mon gars. Elle était belle cette finale, je suis content en vrai. G2 nous ont proposé un beau spectacle. Penses-tu que GTA 6 sera le meilleur jeu? Oui. Je fais complètement confiance à Rockstar. Rockstar et CD Projekt font partie de ces rares boîtes de développeurs qui aiment sincèrement le jeu vidéo et ça se ressent avec Naughty Dog, je trouve aussi. Non. Et du coup, pour moi, oui, ça va être un... Il y avait Ubisoft à l'époque qui était un peu comme ça, qui avait un peu ce truc de... On voyait que c'était des geeks, quoi. On voyait que c'était des geeks. Bon, Ubisoft, ça a un peu changé, hein. On va pas se le cacher. Putain, c'est dur. Merde! S'il foire, j'étais à... Bon, ils vont pas foirer, j'étais à 6, mec. Mais c'est trop dur! C'est Zora Sledge, ça vaut quoi? Ça me rend ouf! Oh. Blizzard, ouais, Blizzard, j'ai pas connu, tu sais, c'était... L'époque du... Moi, j'étais sur console, tu vois. Mais il est trop dur ce niveau. Rien que pour ça, je pardonne toutes les merdes d'après. Ouais. Ah, dis-toi que t'aurais pu avoir plein d'autres jeux comme ça, mec. Si c'était pas une boîte de vendus maintenant. Non. Ah, c'est si tôt. Ok. Mais non.
Je viens jamais, mes frères, t'es tellement un créateur de contenu que je quitte. T'es bourré ou quoi? On dirait un mec bourré qui avoue tous ses sentiments, hein, gars. Bah merci, mon gars. Je te jure, French Lower, on dirait... c'est pas French Lower. Serial Mat. Mais merci, mon gars. Dernier chapitre, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oula, loin de là. Mais merde. Tu es petit piou-piou. T'as platine Astro Playroom? Ouais, j'ai 100% Astro Playroom. Les gars, la vidéo qui va sortir sur Astrobot, je l'ai dit ce matin, j'en ai parlé. Mais venez, hein, viendez. Allez la voir quand elle va sortir. J'ai fait des choses sur Playroom, les gars, que je ne pensais jamais être possible pour un platine, les gars. Non! Putain. Ah ouais, neuneu que je suis. T'inquiète, Kenpachi, y a pas de soucis, mon gars. Ça a l'air simple, pas du tout. Je pense FromSoft pourrait égaler GTA 6 en termes de masterclass potentiel. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ça surtout rien à voir, mon gars. Non! Les World à Paris, mon rêve, on se rejoint là-bas. Et on aura plein de débats sur la PS5 Pro quand on sortira d'ici là. Ah, tu vois, je t'avais dit, c'était... Ah, je t'avais dit... C'était de la merde. Mais non. Et puis après, tu vas découvrir que... Puis après, tu vas découvrir, je vais te dire, le salaire des joueurs pro et le travail qu'ils ont réellement à faire. Et après, je te dirais, tu vois, c'était pas si mal, en fait, la PS5 Pro à 800 balles, tu vois. Rien à voir. Vraiment rien à voir, là, vraiment. Je comprends. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ouais, t'inquiète, tu me l'offriras. Oui! Je vais même pas me l'acheter moi-même. Tu préfères D7? Tu préfères Dawson ou D7 en termes de contenu? Bah, Dawson 7, largement. Je n'ai jamais été aussi fier depuis que je fais du contenu sur Dawson 7. Mon contenu est 20 fois mieux. Moi, pour moi, je suis juste pas un bon streamer. En vrai, je me considère pas comme un bon streamer. Mais je me considère comme un bon youtubeur, ouais. Merci Cyril Matt, merci mon gars, mais pourquoi tu répètes tout ce que tu dis? Merde. La Nocturne Day? Ouais, ouais, artisme. Bon, Nocturne. T'es 20 fois plus heureux aussi, ouais. Non, mais putain. Multigaming révolutionne ta chaîne. Bah, révolutionne-moi, surtout. Que t'as... Et là, t'as tout lu. Ah. Non, mais t'inquiète, j'avais déjà lu. Et merci pour le joyeux anniversaire. Putain! Pourquoi tu te considères pas comme un bon streamer? Parce que... Parce que je me trouve pas suffisamment intéressant. Je me trouve pas intéressant. Je compare forcément aux autres et aux plus grands dans le domaine et je me trouve pas intéressant contrairement à eux. J'en ai marre! Le syndrome de l'imposteur. Non, pas du tout, moi je trouve que je mérite complètement ma place. Ah non, pas du tout. Putain, ça me rend ouf les gars, j'arrive pas à prendre le putain de bandage. Mais je le vis pas mal, hein, vous en faites pas. C'est pas grave, hein. Ça s'entraîne au contraire. Mais je n'y arrive pas, c'est fou ça quand même. Je n'arrive pas à prendre ce bandage sans mourir. Mais... Si, montera plus vite si tu wall jump à gauche, à droite et pour le badge, j'ai rien compris. J'ai pas compris mon gars, je suis désolé. Le bandage monte tout en haut et attend que la lave redescende. Ah ouais, c'est ça? C'est ça la strat?
N'importe quoi. Ah si, c'est ça la strat. Putain, bande de cons. J'aurais pas pu me le dire plus tôt. Merde. Et je me trouve très peu intéressant dans le sens où quand tu sors de mon live, tu n'apprends pas beaucoup de choses en vrai dans la vraie vie. Enfin, genre, je suis pas un mec qui a des expériences de ouf à raconter ou quoi, tu vois. Eh, je voulais pas la prendre cette te pue, putain. Merde. Il a dit juste t'as pas vu. Ok. Personne, je te connaissais avant Rage, j'ai lâché ton contenu Rage. Puis tu fais des j'en fais un full stream, ça motive à faire des platines de mon côté, je kiffe, les streams sont intéressants. Bah merci beaucoup. Après, je dis pas que je suis nul à chier, hein. Je dis pas que je suis un très mauvais streamer. Juste, je suis pas un bon streamer. Alors, un bon streamer, c'est les mecs qui te font Mister MV, tu vois. Je suis pas. Ça, c'est Mister MV, c'est un bon streamer, tu vois. Du coup, je m'en branle de sortir d'un live plus intelligent. Ouais, je suis d'accord, tu peux aussi t'en battre les couilles. Oh, je l'ai pris. Oh, je l'ai prise. J'ai pas fait exprès. J'ai pris le bandage. What? Bah alors, les gueux. Comment j'ai fait? Par contre. Mais putain. D'être intelligent, tu vas boire étoile par exemple. Ouais, par exemple, ces gens-là, ils ont tellement de culture, mec. Je trouve ça fou, ça me passionne, moi, les gens comme ça. Oh, je fais mourir. Attends, la lave va redescendre, là? Ah, mais la lave redescend pas du tout, ici. Oh mais sale queue, putain. On va faire mille fois regarder un live de toi que Mister MV. Bah après, forcément, il peut peut-être pas forcément plaire, tu vois. Ah mais merde. Oui, je sais Cristiano Ronaldo, mais tu sais, il y a des gens, il y a des streamers qui arrivent à faire les deux en même temps et je trouve ça fou. Ouais, Rito, je vois, ouais. Mais bon, tu sais, lui, ça touche beaucoup à la polémique, au sujet actuel, des conflits géopolitiques et tout, et moi, je suis pas très qualifié là-dedans. Je veux dire, surtout, beaucoup de conneries qui vont agacer les gens qui s'y connaissent. Non, c'est... Putain, je suis en une merde. Attendez, je vais essayer de faire... Non, putain. Putain mais on est où? On est Afrique ou quoi? C'est quoi cette musique là? Les tambours. Genre Amine, tu en penses quoi au niveau d'être intéressant? Je regarde pas les lives d'Amine, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Merde! Après enfin genre... Je le vis pas mal hein. Mais sale pute! J'avais réussi tout de même. Hein. C'est marrant de te voir rager, je vais revenir plus souvent. Bah c'est le matin moi, normalement c'est Real Mat. Mais c'est vrai que là la petite nocturne, enfin la petite nocturne, la petite soirée nocturne, ça fait plaisir. Mais bah, ta race! Ouais, je peux pas faire plus rapide ici. Le level avait l'air plus facile. Le niveau est assez simple en vrai. Mais c'est le bandage qui est chiant. Mais... Putain, ça m'angoisse. Non, merde. Wouh ! J'ai eu le bandage, nice. Let's go. Ouh,
Sans Meat Boy, c'est vraiment impossible. Bah, je pense que c'est dur, ouais. Ouais, je pense que c'est dur. On va reprendre The Kid. Ça fait bizarre de passer des deux. Putain, c'est vraiment la simplicité, ce personnage, c'est abusé. Hein. Aïe! Mais je le vis pas du tout mal d'être, de pas être un aussi bon streamer que j'aimerais être. C'est pas très grave, hein. Ça force à s'améliorer aussi. Ça force vraiment à s'améliorer. C'est un cheat code ce perso, ouais vraiment. Hein. Si vous comptez faire Super Meat Boy les gars, je vous conseille vraiment. Si vous voyez une la Warzone de The Kid, je sais qu'elle a l'air très inquiétante, mais faites-la le plus tôt possible, vous allez gagner du temps les gars, c'est abusé. Merde. Ouais, comme tu dis, tu compenses en étant un bon youtubeur. Ouais, ça va. Moi, je suis un vraiment... Je me considère en tant qu'un bon... Je suis un bon youtubeur. Je suis un très bon youtubeur même, mais un mauvais streamer. Mais j'adore le streaming, donc c'est pas grave, et je m'améliore. Mon but, c'est de m'améliorer, mais... C'est très dur de... C'est très dur, en vrai, on se rend pas compte comme ça. C'est très dur de devenir une personne intéressante. Enfin, je sais pas, c'est compliqué comme exercice. On vous dit, ah bah vas-y, sois intéressant pour des milliers de personnes, ou des cent, enfin tu vois. Spontanément. Quand t'allais privé de The Kid, ouais je sais. Ça va faire tout drôle le Nodes, avec le petit smiley. J'ai l'impression que c'est limite une agra là. J'ai l'impression que tu me... J'ai l'impression que tu me juges. Après, vous savez, je me vanne en mode je suis vraiment un mauvais youtubeur. Oh merde, il y a une plateforme ici. Que je me vanne en mode je suis vraiment un streamer de merde. Il faut savoir que je trouve qu'il y a des gens qui ont 100 fois plus de viewers que moi et qui sont beaucoup moins intéressants que moi. Hein. C'est super. Yes. On veut Dignon ! Non ! Vous en aurez pas. Je le platine, ouais. Vas-y, donne un exemple. Non ! Merde ! Mais putain, mais pourquoi il s'est accroché au mur, cet abruti? Non, non, il va t'arriver quoi, de toute façon? Bah, peut-être que c'est des gens... peut-être que c'est des gens de mon entourage. Enfin, de mon entourage, pas forcément de mon entourage, mais... Genre, des gens qui me connaissent. On sait pas. On sait pas. Mais non ! Je sais pas comment ils veulent que je fasse ce niveau. Mais non. On a une piste. J'ai pas dit que c'était forcément ça, hein. J'ai pas dit que c'était forcément des gens de mon entourage. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être. La musique, Mario Kart circuit, copage, on pleure, la nostalgie, merci des 7. Putain, c'est tellement des... On vous savez que je mets des musiques de rêve que je n'ai absolument pas. Hein. Mais non!
Je pense vraiment ça de Kedop. Ah non, mais Kedop, je trouve que c'est un très bon streamer. Mais un piètre youtubeur par contre. Hein. Putain la vache. C'est un très mauvais influenceur, Kedop. Enfin, en mode, il va pas mal vous influencer, mais... C'est genre... dans l'aspect... dans l'aspect... dans l'aspect influenceur, en mode... genre... c'est pas un mec qui va te développer des business ou quoi, tu vois. Mais par contre, c'est vraiment un excellent streamer. Hein. Un streamer qui... qui est plus intéressant que des gens qui font 10 000 viewers, tu vois. Mais c'est de la merde! Comment je passe ce niveau? En fait, il met que des rediffs de live dans ses vidéos. Oui, mais même. Même, il n'y a pas que les rediffs de live dans ses vidéos. C'est juste que je trouve que, tu vois, ces tutos, par exemple, il n'arrive pas à être intéressant au premier degré, tu vois. Alors, c'est pour la blague, mais c'est bien pour Twitch, tu vois. Mais du coup, ça fait de lui un mauvais youtubeur. Ces tutos, t'arrives pas à te dire, ouais, j'ai appris un truc, vraiment, alors qu'il a l'expérience d'un triple champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment faire, là. Je sais pas comment faire, là. Combien de temps que t'es sur ce jeu? Je pense que ça fait bien 20 heures que je joue à ce jeu. Prends Meat Boy. Pourquoi? Pourquoi donc? Je prendrais Meat Boy. Quoi il me servirait là? De plus que The Kid. Mais putain! Heures, 20 heures sur 200, c'est presque. Je pense pas que je mettrais 20 heures, moi. Honnêtement, je pense pas. Il y a une raison ou un trophée qui rend en particulier. Qui rend... Oui, c'est Run No Death. Chaque chapitre, tu dois les faire sans mourir. Là, tu vois, je galère depuis tout à l'heure. Bah, je dois faire tous ces niveaux sans mourir. Bam, bam, bam. Sans boss de fin, oui, sans les boss de fin. Mais bon, sur les Dark World, il n'y a pas de boss de fin. Platine prend combien de temps en général? 200 heures pour, en moyenne pour les gens. Putain, mais j'arrive pas! Ok, d'où les 200 heures? Ouais, c'est ça. Puis même le jeu est très long, genre. Finir tous les mondes et tout, c'est long de ouf. Hein. Mais non! Est-ce que tu es fou ou zen? Hein? Tu racontes? Je suis juste tombé dans l'eau, juste tombé dans la flotte, ça régale. Putain, c'est vraiment, je n'ai aucune idée de comment passer ce niveau. Hein. Mon anniversaire. On va demander à ta mère de te le souhaiter. De te le souhaiter. Oh. Oh oui. Let's go. Oh, je suis trop content. J'ai réussi. Oh putain, enfin. C'est terrible ce que je viens de lui dire. Joyeux anniversaire, Titou Rouillon. Titou Rouillon. Quel fils de pute que je suis. Même pas un joyeux anniversaire des 7, oh ouais, un petit 1. Hein. Au moins. Attendez, mais il y a des trucs à faire de spécial là? Wet! J'ai dit wet? Oh, pauvre gosse! Ouais. Il vient voir son influenceur préféré, son streamer préféré, il lui dit « Ah, va le sauter à ta mère l'anniversaire, connard !» T'as pas le grade à plus. On s'en fout pour les niveaux Dark World, on s'en fout. Ben, ben. Ah, mais...
C'est dur, hein? What? C'est dur ce jeu de Seamer. Ah, trop bien, eh oui. Il y a des gens qui font le platine de Super Meat Boy ici, là, en même temps que moi. Ou même qui comptent le faire. Ou qui l'ont fait. Bon, ça n'existe pas, ça. Vous n'avez rien fait d'avant moi. Oui. Tu le fais, tu comptes le faire, ou... Avec Commander Vidéo, il est facile ce niveau. Commander Vidéo, c'est quoi, c'est un logiciel de montage, ça? Attends. Commandeur vidéo. Ah bah tu m'étonnes. Quoi ce personnage à la con là? Attendez, il fly genre droit? Bonne nuit Pépito. Je comprends pas. Non, faire jamais je touche à ça. Attendez, je comprends pas. Il fly droit ce machin? Ouais. J'ai déjà fait 3 fois. Le platine! Oui d'accord. Depuis la plateforme du mine en wall jump. Oh, mais c'est de la merde ce perso, mec. Oui, mais arrête de mytho, mec. Prends pour un con, quoi. Prends pour un con, quoi. Mais... Non, c'est de la merde, j'aime pas. J'aime pas ce personnage, je veux pas m'y habituer. Je veux surtout pas m'y habituer, désolé. Je n'aime pas du tout. Voilà, tu vois, j'y arrive beaucoup mieux comme ça. Ah, t'as vu? J'arrive tout, juste, lâche rien, tu vas réussir ce platine. Merci Balagar. J'arrive tout juste. Hein? Quand est-ce qu'il faut que j'y aille là? Je comprends pas quand est-ce que je dois y aller. Je comprends rien quand je dois y aller. Y'a pas de fenêtre de marge. Y'a pas de marge d'erreur là. J'ai l'impression que c'est impossible. Quand la première chute. Mais t'es un malade. Quand la première boule est en haut, passe en dessous. Mais... Quand la première est en haut, oui. Ah, ok, je vois. Ouah, j'ai allé trop loin! Ah, la pute! Ok, j'ai capté. Ouah, c'est pas évident, hein. T'es parti à l'autre bout. Ah ouais, non, mais je me suis pas arrêté, hein. Faut que je passe en... Ah, faut que je passe en dessous. Mais vous êtes des malades ou quoi? On est à quelle étape du platine là de... Je finis tous les Dark World là. Mais vous êtes des malades, faut pas que je passe en dessous, le gars. Oui, en dessous. T'es malade. Faut te faire n'importe quoi là, c'est une prank. Bah après j'avais réussi en passant par au-dessus, hein. Merde. Passe-le comme tu veux, mais de toute façon il y a le double saut. Merci Humility. Merci beaucoup. À quand la prochaine vidéo platine? Dans 2-3 semaines. Il y en a deux qui devraient s'enchaîner normalement. Et mais putain. Et sinon, il y a la point d'exclamation de platine, si vous voulez. Il y a bientôt la vidéo FNAF qui va sortir, là, d'ici 10 jours, je pense. C'est méga bien, les lives à 300 personnes. C'est plus calme et plus posé. Bah, en ce moment, de toute façon, Meat Boy, c'est à peu près les nombres de viewers que je fais, hein, sur SMB. Le week-end, c'est plus. On est plus aux alentours de 300-400. Mais... Je vois pas un monde où c'est possible, en fait. Je vois pas un monde où c'est possible. Oh non! Oh oui! Ah!
Ouais! Let's go! En dessous de la boule, non! Non! J'écoute mon instinct, les gars. Oh bah. Aïe! Ha ha! Alors? Complètement con? C'est trop con ça! Au purée GL, ouais merci Google Eyes pour ton good luck, j'en ai eu besoin là. Oh, je suis qu'au niveau 7 de ce monde. Aïe, je suis qu'au niveau 7 là. Oh, what the fuck? Commandeur vidéo, t'as une warzone en bas. Ici au tout début. Ah oh, putain oui. J'y arriverai sans commandeur vidéo. T'as une dark world dans... Ouais. Bon, je peux pas. Est-ce que tu vas reprendre la live TikTok? Oh là non! T'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Attends. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ah putain, dommage, c'est impossible, les gars. Ah bah, va falloir que j'abandonne le platine là. Ah, ça fait chier, hein. Mais je crois que c'est impossible. C'est des malades ou quoi? C'est des malades? Je crois qu'ils sont malades. Oh, oh non! Oh non, la cide, c'est mort! Elle m'a baisé! Tu voles trop tôt. Bah, merci, mon gars. Franchement, chouette. Merci, Rudex. Pourquoi moi j'aimais bien? Ah bah, parce que pas moi. C'est une Nissan Killer. Merci, mon gars, pour ton raid. Tu regardais le chat sur TikTok? Ouais, à l'époque, ouais. Non! C'est Tonio! Tiens, Tonio! Merci, mon gars. C'est pour ton raid. Yo, ça stream toute la night? Non, pas toute la night, faut pas déconner! Putain! Chaque fois que j'y arrive, il y a ce. Connard de. Il y a ce connard de. De si qui me fait chier là. Trop marrant ta vidéo GTA San Andreas, merci mon gars, merci Nissan Killer. Bienvenue à tous, merci pour ton raid. Bon bah j'y arrive pas. Faut pas toucher les si je pense, ouais je crois aussi hein. Merde. Voilà, je les platine aussi, ah ouais. Ah oui San Andreas. Pas Beat Boy. Oula. Oh mais c'est quoi ce délire de niveau encore? Oh. J'adore tes vidéos, tu parles de quelle chaîne, Xav? J'en ai plein. Oh putain, je suis qu'au niveau 7. J'ai ça, tous platine, même le 4. T'as même le 5? Mais est-ce que t'as le 5? Est-ce que t'as le 100% du 5? Ah ah. Ah ah. Aïe. Les épileptiques, bah les épileptiques ne peuvent pas patiner Super Meat Boy, hein, vraiment. Impossible. D7, ah ok. Salut. J'ai bientôt fini le 100%, ah, mec. J'en ai chié pour le... Comment? Ah la dinguerie. J'en ai chié pour le cerveau criminel là. Oui largement Rudex, largement, largement. Largement Rudex. À des années-lumière même je dirais. Non, j'ai une salope. Dans criminel ça va, oh, moi je l'ai trouvé trop buggé. Après ça va, j'étais avec des potes en vrai. Je pense que tu le fais avec des inconnus, ça doit être chiant à en mourir, genre vraiment. Tu dois te coltiner pendant plusieurs dizaines d'heures des inconnus et que tu kiffes même pas tant que ça. Oh, comment ça doit être chiant ce niveau, enfin, ce trophée. Salut Mentos, ça se passe bien mais putain j'avance lentement. Hein. En fait je suis impatient de commencer The Death, j'avoue.
C'est pour ça que j'ai envie de vite avancer, parce que je suis trop impatient de commencer les Nodes, genre. J'aime trop ce truc de pas mourir. Non, Xav. Tour platine, R2. Ouais, pareil, un jour je le ferai. On est tous impatients, mais je te jure, j'ai trop envie d'essayer, là, les Nodes. Ok. J'ai trop envie, mec. Putain, c'est abusé. Mais comment je... Mais... Je comprends pas. Oh, let's go! Ah oui, Héraldir, mais ça a commencé à prouver mon talent, hein. GTA 3, ça m'a saoulé le platine. Mais tout le monde me dit que le platine de GTA 3 est grave chiant. Alors que normalement, c'est censé être le plus simple, non? Le Iron God, tu vas en chier. C'est quoi Iron God, ça? On dirait un boss Dark Souls. Salope! C'est vrai, MG? Putain, trop bien. Moi, mon but... Moi, mon but, de toute façon, c'est de convertir la terre entière au platine. Putain! C'est vraiment mon but. Donc, très content de t'avoir converti, MGS. Non, non, mais il n'y a pas de... Y a... Vous avez le droit au backseat, Psycho, sur, sur Super Meat Boy. Pas de souci. Vous avez complètement le droit au backseat. Mais merde. En vrai, c'est d'art de recevoir un platine. C'est d'art, mais frérot, t'as entre 8 et 108 ans. Mais ça m'emmerde! Ouais, on m'a dit que l'ambulance était infâme. Ça, on me l'a dit. Crash 1 oh, Rudex, Crash 1, en vrai, je trouve que ça va. Ce qui est dur dans Crash 1, c'est le niveau avec le pont. Bah, c'est là où... Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Crash 4. La vidéo où, le niveau avec le pont, là. C'est là où mes voisins ont appelé la police pensant que je tuais quelqu'un, que j'égorgeais quelqu'un. Mais je suis con, quoi. Tellement le genre de jeu que je déteste. Ah ouais, les Die in Retry comme ça. Moi, je préfère tellement ce genre de truc. Si, j'ai vu. En gros, pour ceux qui savent pas, sur la vidéo Crash 4, j'ai raconté une anecdote. Quand j'avais fait Crash 1 à l'époque. C'est un échec de vie, genre! Vraiment, putain! J'ai... Quand j'avais fait ma vidéo Crash 4, j'avais raconté une anecdote. Quand j'étais pas youtubeur... Enfin, si, j'étais youtubeur, mais Rocket League. Et pas du tout... je faisais pas du tout le platine. Je faisais Crash 1 et j'étais au niveau du pont. Le fameux niveau du pont que tout le monde connaît, toutes les personnes qui ont fait Crash 1 le connaissent, le niveau du pont. Et en fait j'ai tellement hurlé, bon après c'était une résidence de vieux, wesh. J'ai tellement hurlé que mes voisins... Oh la putain! Que mes voisins ont appelé la police pensant que j'étais en train, je cite, d'égorger quelqu'un. Genre, j'étais un animal, genre. Ah, merde. Pensez que j'ai gorgé... Mais je viens de mourir, mais je suis un énorme fils de pute. Et Goutougou, il y a la police qui toque. Toc, 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 et tout. On vient de nous appeler parce que... quelqu'un dans l'immeuble d'en face... nous a appelé parce qu'on pense... Enfin, il pense que vous faites... que vous égorgez quelqu'un. Il pense que vous égorgez quelqu'un ou vous faites un rituel satanique. Ah non, non, ah, c'est que j'écoute fort une vidéo de la musique. Et derrière, tu voyais ma manette cassée en deux. Moi, tout rouge. Moi, tout rouge, ma manette cassée en deux. Mon écran cassé aussi, parce que j'avais cassé mon écran. Vous voulez savoir quel écran j'ai cassé? Un Samsung Odyssey G5. J'ai cassé.
Et du coup, ils m'ont dit, ah, bah d'accord. Non, non, bah, y a pas de souci et tout. Ah. Dégage, sale pute! Nice. Let's go! Allez, continuons. Bisous, Xav. Oh non, putain, en fait, j'avais pas envie de continuer ce niveau. Mais en fait, par contre, moi, j'ai pas eu de chance parce que j'ai cassé mon écran. Mais en gros, j'ai balancé ma manette au sol. Alors, je vous promets, grosse dinguerie. J'ai balancé ma manette au sol. Putain, crachin, c'est de la merde! Je vous promets que c'est vrai sur la vie de ma mère. Pouf! Elle rebondit. Clip, clop, clap, clip, clap, clip, clap, clop, clop, clip, clap, clap, clip, clop, 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 clop. Bang sur l'écran. Je vous promets sur, sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est vrai. J'avais trop le seum. J'avais une haine envers ce jeu du coup. Mais c'est mieux avec Meat Boy, je pense. Merde. Merde. Moi j'avais cassé ma chose. Bah je casse pas grand chose à part les manettes. Ah les manettes je me défoule. Bon et ma chaise et Herman Miller. Ok d'accord. Bon et du coup un écran. Et les claviers souris en vrai ils prennent cher des fois. Et mon genou, mais ma cuisse prend très cher aussi. Mais je pense que ça tout le monde, toutes les cuisses prennent cher je pense. Ah, je m'en souviens, à un moment, mon Go XLR... Enfin, bon, bref. Fais pas le topo, quoi. Non ! Putain ! Le foot, c'est comment ? Ça me démotive, le foot. Je suis démotivé du foot parce que j'ai trop de périostites, les gars, ça me rend ouf. Ça, tu peux jouer à la V10 de Palladium, c'est un serveur PVP faction. C'est quoi ? Je te banne parce que... Je te théo une heure par pure réflexion, genre. Genre, juste, j'aimerais que tu te dises, tiens, je pense qu'il va pas y jouer, je pense que mon commentaire sert à rien. Je te banne parce que j'aimerais que tu aies un minimum de réflexion. Bien sûr que non, je vais pas jouer à la V10 de Palladium. Est-ce que tu m'as déjà vu ne serait-ce qu'une fois sur un serveur PVP faction Minecraft? Non! Non! Bon, je te banne une heure, hein, ça va, je suis gentil. Tu veux pas que j'aille en Afrique danser avec des pots de fleurs sur le crâne non plus, non? Aïe. Ah ouais, tu joues au foot. Ouais, c'est plutôt le foot qui joue avec moi, mais... Je suis vraiment une salope, genre, j'ai toutes les opportunités en main, genre. Ah oui, il y a des gens qui me demandent... souvent la question revient souvent et je sais pas trop quoi répondre. Et j'ai une réponse. La question, D7, quelle... Enfin, DKW7N... quelle platine t'as fait que t'as pas trop aimé? Mafia 2 Definitive Edition. J'ai bien aimé le jeu, mais le platiné a été un enfer. Vas-y, je prends ma voix off. J'ai jamais vu un jeu aussi mou du cul de la bite. Yes. Je n'ai jamais vu un jeu aussi mou du cul de la bite. C'est lent, mais c'est lent du cul. Oh, c'est insupportable. Oh. Ouais. Attends, alors ça... Ça m'a... Waouh. Merde, j'ai pris Jill. C'est qui, Jill? Bah moi, je m'en souviens juste des du 100% du jeu de base. Il n'y avait pas de DLC. Pourquoi il insulte autant? Parce que j'ai été éduqué dans les favelas du Brésil et là-bas, on... Beaucoup d'insultes, beaucoup de gros mots et tout, donc... je suis un peu un gars comme ça, quoi. Ah, il y a un bandage, vous avez vu? Comment j'y vais? Comme ça. Tout le monde casser les couilles pour le bandage. Ah ouais? Moi je pense qu'il va pas me casser les couilles parce que je suis un être supérieur. Bon enfin après ça je dis rien.
Oh putain, c'est infernal. Oh. J'aime pas. Putain. Tu fais quelle taille? Mais vous... on a fini avec les questions connes, là? Tu fais quelle taille? On s'en fout. Je suis vraiment cruel avec les gens qui s'intéressent un minimum à moi. Arrêtez de vous intéresser à moi, je suis pas intéressant, d'accord? Je suis un mauvais streamer. Mais merde. C'est infernal, j'ai pas envie. Mafia 2, j'ai kiffé perso, sauf God of War, j'ai pas aimé le jeu, m'a fait... Merci, merci. Bon, on a les mêmes goûts. Merci. God of War Ragnarok. Bon, God of War 2018, ça va. God of War Ragnarok est la plus grosse fraude de tous les temps. C'est quoi ce jeu de merde, franchement? Les gens qui pensent que c'est un bon jeu solo, c'est juste des gens qui n'ont jamais joué à d'autres jeux que God of War et Spider-Man, quoi. Voilà. Ils ont fait God of War, Spider-Man et vite fait un Uncharted un jour. Dans leur vie, ils se sont dit, waouh, les gars, la révolution de fou. Quel jeu de merde. Salope! Mais putain, mais... J'en ai marre. Mais putain, mais tu vas rentrer dans le trou, connard! Oh, quel enfer! Oh, infernal. Par contre, je sais toujours pas comment passer le niveau, hein, ceci dit. Hein. 1, 2, 3 sont pas... Mais j'adore Uncharted, hein. J'adore Uncharted, hein. Et j'adore Spider-Man. Enfin, j'adore. J'ai beaucoup aimé faire le 2 en stream. Hein? Quoi? Oh, les malades. Quoi? Quoi? De quoi? Mais n'importe quoi. Ils sont trompés, je crois, les gars. Ah, ils sont trompés. Ils sont trompés de jeu, c'est pas le même jeu. Comment ça s'est passé? Non, je passe pas, je pense. Ils sont trompés de jeu, je crois, les gars. Putain, merde. Mais ils sont trompés de jeu. Je passe pas, là, hein. Spider-Man 2, j'aimerais bien me le procurer, c'est le seul qui me manque. Oh, il est bien, franchement, il est bien. Je te le conseille. Ils sont trompés de jeu, les gars. Oh, petit. Non ! Pardon. Avec Guiche, le niveau est simple. T'as juste à te coller au plafond. Mais quel enfer, c'est quoi cette merde? C'est infernal, c'est quoi cette bouse là? Descends! Ah mais allez, mais tombe! Mais tombe, putain de personnage de con! Tombe! C'est quoi ce personnage de con que tu m'as donné là? Allez! Non, c'est nul. Et c'est quoi ce personnage de con que tu m'as donné? Bloodborne déjà, ouais. Déjà platiné, ouais. Sur ma chaîne YouTube. Non, non, non. Je comprends rien, ce personnage. En fait, toi, t'es trop fort, Eraeldir. T'es trop fort, c'est ça ton problème. C'est que tu penses qu'on a tous ton skill, mon gars. Mais je t'explique pas du tout, hein. C'est pas ça, coller pour chaque plafond. Non mais j'ai compris, t'inquiète, de toute façon comment faire. Je suis un goat. Je suis un goat de The Kid. Moi je maîtrise l'enfant comme personne. Quelqu'un lui dit que c'est pas drôle de faire des blagues sur les enfants. Enfin... Bon alors, j'aimerais bien juste arrêter de me prendre ce putain de plafond au bout d'un moment. Merde.
Tu maîtrises l'enfant comme personne, ouais. On est deux dans cette catégorie. Norman et moi. C'est faux, évidemment. Il y a des malades, je pense. Je pense qu'il y a des malades qui seraient capables de me croire. Mais espèce d'abruti, fini à la piste, putain d'enfant de merde. Abandonnez vos enfants sur la route, ces chiens là. Oh. J'ai hâte de la prochaine vidéo, même moi. Moi j'en viens à un stade où j'adore regarder mes vidéos. En fait je pense que quand t'aimes bien regarder tes propres vidéos, genre je les remate. Moi je pense que je serais incapable d'avoir des gosses dans ma vie. Je pense que je les traumatiserais trop. Ouais. Moi, mon gosse, faudrait qu'il soit bon à l'école. Alors, mon enfant, un enfant sur deux, hein, parce qu'on rappelle l'autre enfant, ce qu'on en fait. Vous vous souvenez de l'expérience qu'on en fait de cet enfant. Mais moi, mon enfant, en fait, l'enfant idéal, pas l'enfant expérience. Genre, mon enfant idéal, faudrait qu'il soit bon jeu vidéo. Genre, et que soit minimum le plus haut rank sur 5 jeux différents, qui platine les jeux les plus durs. C'est-à-dire, dès qu'il a 15-16 ans, je le mets sur Crypt of the Necrodancer. Et puis, s'il le platine pas, bah, je le renie, tu vois. Il faudrait que ce soit minimum, voilà, comme j'ai dit, rank le plus haut sur 5 jeux compétitifs ultra populaires. Il faudrait qu'il ait de bonnes notes à l'école. Il faudrait qu'il soit bon en sport. Faudrait qu'il baise un max, soit un gros baiseur, mais dans le respect évidemment. Putain. Faudrait que ce soit un gros baiseur, qu'il soit ultra BG, qu'il se brosse bien les dents, enfin, qu'il ait une dentition très soignée, à la limite de la perfection. Quoi d'autre? Faudrait qu'il soit rentable pour moi, pas qu'il me coûte de l'argent. Assez tôt, hein, évidemment, je peux pas lui demander genre d'être rentable à 3-4 ans. Mais genre, dès 5 ans, faudrait qu'il... Ah, peut-être pas 5 ans. 15 ans, faudrait qu'il soit rentable pour moi. D'une manière ou d'une autre. Hein. C'est compétent sur les jeux vidéo, par exemple. Et voilà. Tout le contraire de son père, quoi. Fils de pute. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que je suis un ultra sportif. J'ai chaud les gars. J'ai chaud en hiver. On est à quelle période de l'année là? Enfin on est quelle saison? Mais prends là ta bandage. Oula. Waouh. Encore en été? Non, bande de menteurs, on n'est pas encore en été. C'est vrai? C'est vrai, on est encore en été? Ouais, sinon il est pas mal pour ce niveau. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire justement, mais... En fait, pour moi, le double saut, la technique que je fais, je pense qu'elle est pas mal. En fait, j'aimerais bien qu'il arrête de se prendre sa grosse tête sur le plafond, là. Ça me régalerait. Regarde, putain. Arrête d'être un bouffon, The Kid, là. Mais putain. Ah, voilà. Tout ça pour échouer, genre, maintenant. Oh, c'est un échec. Wouah ! J'en ai marre. Salut Simo, ça va ou quoi ? Mais... Oh. On sera plus en été le 21 septembre, ok. Ça veut vraiment plus rien dire les étés les gars. Les saisons. Subez-vous si vous êtes d'accord les gars. N'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous.
Mais alors là, n'importe quoi. N'importe quoi. Je n'ai jamais autant peu touché une boule de ma vie. Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, vraiment c'est pas vrai, je la touche pas, genre. Chef, quoi chef? Je panique. Bah, je vais trop vite. Wesh, oh le speedrun. Oh, oh, non. Tous mes potes de suivent, même mon oncle et mon cousin platineur. J'ai rien compris. Je n'ai pas compris, mon gars, je suis désolé. Merci d'avoir participé, mais j'ai pas compris. Comme Mastu mange du saucisson. Quoi? Tu as vu la victoire de BDS? Non, ils ont fait quoi? Oh non. Tous mes potes te suivent. Ah, tous mes potes te suivent. Ah ouais, ton oncle, c'est ton pote? Oh le gars, sûr, l'oncle. Oh, wesh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je mérite même pas de vivre. Ah bah voilà. Ils ont gagné les Worlds. Non! Oh! OMG, Chocbar. J'en peux plus de ce niveau. Oh, mais venez, on arrête, je vais sur Astrobot. Mes potes se sont abos à ta chaîne et mon oncle et mon cousin ont suivi sur YouTube. Ah, merci Nissan. Bah tu leur diras big up bro, de ma part. Big up l'oncle. Damn l'oncle. Nice! Let's go! Oh. J'ai freeze? Ah! Ok. Oh, let's go! Putain, quel enfer ce jeu là! Hein? Ok. Ça marche. Ça marche, très bien, merci. Merci pour la participation au jeu. Aïe. Hein? Mais quel bordel de cul? Mais c'est infernal. Attendez. Je comprends pas. Salut de cette logo, ton platine avance bien ou pas? Ça avance. Ça avance. Soit en descente ou en train de glisser? Bah, comment je peux être en train de glisser? Comment je peux être en descente, mec? C'est impossible. Mais. Ça garde ton élan. Non, mais je sais ça. Mais. Plus j'entends ce mot platine, plus je... Et ce... Pourquoi? Ouais, oh! Oh, bah tiens donc. Ouais, il est extrêmement dur, Fabien, il fait partie des... 5 platines les plus dures à platiner du monde of all time. Dans les 10, les 10.
Vas-y, putain. Faut monter grâce au wall jump avec Meat Boy, c'est un peu plus simple. Passionnant. Et si je fais ça ? Ah non. Ah oui, attendez. Ah oui, ok, je vois. Ah mais... Wall jump vers la gauche. Ah oui, ok, je vois. Ok, je vois. Quoi ? Quoi ? Waouh ! Je suis tellement content de pas le refaire plein de fois ce niveau. Je suis tellement content de pas avoir le refaire 1000 fois. Vous avez pas idée. Oh la vache ! Ok. Hein ? Ah oui, il fait partie de ces niveaux complètement ridiculement simples avec Meat Boy. Avec... Aïe ! Avec ce personnage. Ah merde ! Ouais. Oh ! T'as vu, il y a Nodes, mon ami. Bah, frérot. Je sais pas que j'oublie, c'est que... C'est pas que j'oublie, c'est que je sais pas encore à ce stade. Ouh. Nice, let's go. T'as pas encore vraiment si en vrai le pour débloquer The Kid, en vrai j'ai galéré les Kalti. Si. En vrai j'ai galéré pour débloquer Kalti. Pas pour déverrouiller toi j'avoue, mais pour déverrouiller The Kid, si j'ai quand même pas mal galéré. Mais quoi? C'est cool le stream le soir. Ouais, j'aime bien moi. Je trouve ça sympa. Mais je ne comprends pas. Mais... Cousin, 1100 platines, il m'en manque 500 quand même. Platines. Bah après mec, ça dépend de la qualité de leur platine. Hein. Je ne comprends rien, j'avoue. Ah ok, j'ai compris. Ah non, j'ai pas compris. Ah, y a une clé. Mais vous aurez pu m'en parler de cette clé, les gars. Oh là là, est-ce que je le sens mal, ce personnage? Oh. Salope! Y'a un compteur de mort. Ah oui, mais alors, c'est le jeu qui le gère, pas moi, hein, parce que là, il y en aurait trop. Hein. Ah, y a une clé. Eh ouais, vous avez pas vu, on est d'accord. Elle est invisible, cette clé. Merci Coca53 pour ton Twitch Prime, merci pour le soutien mon gars, merci beaucoup, merci pour les subs les gars. Permet de payer les monteurs. Permet de payer les monteurs les gars. Permet de payer les vidéos qui coûtent excessivement cher, surtout que j'aimerais bien encore augmenter la qualité des montages. Bip bop. Merci à tous. Vous savez, un Twitch Prime c'est gratuit. Merci le diable. Merci infiniment l'équipe. Tellement gentil. Merci le diable Kiavel. Merci mon gars. Twitch Prime c'est gratuit les gars. Et ça régale la fafa. Salope. Merci les gars, vraiment merci infiniment. N'oubliez pas les gars, hein, pas forcément sur mon stream. Pas forcément sur mon stream vraiment. Mais genre, tous ceux qui ont un Twitch Prime, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un Twitch Prime et qui n'utilisent même pas. Sachez que c'est gratuit, ça vous engage en rien. Si vous avez Amazon Prime, vous avez juste à lier votre compte Amazon Prime à Twitch. Votre compte Amazon Prime à Twitch et vous avez un sub gratuit par mois sur la chaîne que vous voulez.
Et je vous parle vraiment pas que pour le mettre sur moi, hein, chez moi. Vous pouvez, évidemment, ça régale. Mais je veux pas dire non. Mais vous avez capté, genre, régalez vos petits streamers. Et par pitié, arrêtez d'envoyer de l'argent aux streameuses qui font du Twitch que pour... qui font du Twitch en montrant leur ins, par pitié, genre. Soutenez vos streamers. Et encore une fois, je ne parle pas que de moi. Merci Fabien pour ton sub niveau 1, mon gars. En fait... Putain, mais en fait, c'est que je suis complètement paumé. Merci Fabien, mon gars. Merci beaucoup. Non. Oh la tuile! Merci mon gars pour ton sub niveau 1, ça régale, merci beaucoup! Putain! T'as encore oublié comment passer? Non, non, j'ai pas oublié! Non, c'est juste, c'est pas évident, mec, hein! Bon, pour ça, je prendrai mon chaîne, je fais un sub par platineur de temps en temps. Aujourd'hui, c'est Rudex, le mois dernier, Dada, le mois prochain, toi. Bah, en vrai, soutiens-les, continue à soutenir Rudex et Dada, mon gars. C'est des plus petits, ils ont forcément... Ils ont... soutiens, enfin... soutiens, continue à soutenir... à soutenir Dada et... Rudax. Continue à les soutenir, mon gars. Moi, par chance, j'ai une communauté qui me soutient déjà beaucoup. Peut-être un petit peu... Ils ont pas la chance, cette chance d'avoir cette communauté. Donc t'inquiète, lâche ton, laisse ton sub chez l'un des deux. C'est gentil. Nice, let's go. Première fois, je me sub à une chaîne Twitch, mais j'aime trop tes lives. C'est vrai, Fabien? Merci, mon gars, c'est très gentil. Merci. Très gentil, ça fait plaisir. Ces niveaux, je suis pas obligé de les faire. Niveau, je suis pas obligé de les faire, donc on va pas le faire. Mais merci pour le train de la hype. Soutenez, hein, soutenez les gars, les gens qui font des platines sur Twitch. Bon, je connais pas tous les noms, moi je connais que Dadada en France. Mais n'hésitez pas à soutenir, les gars, ça a une communauté, et il faut qu'on en prenne soin. Je sais que dans la commune française, bah du coup, grâce à Rocket League, je suis celui qui a le plus d'influence, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Donc c'est un peu mon rôle aussi de dire que franchement, les gars, entretenons cette communauté des platineurs, pas qu'elle ne soit désagréable au possible comme pas mal d'autres communautés. Salope. Après Dadadada, c'est beaucoup moins quali que moi, bah parce qu'ils ont pas forcément les moyens aussi. Dadada il fait tout seul les mecs, hein. C'est normal. Normal les gars, Dadada il a pas la même... Moi c'est grâce à Rocket League et grâce à vous. C'est grâce à vous les gars que j'ai que je peux mettre autant de moyens. Et sinon je pourrais pas me permettre. C'est grâce à vous donc j'en suis vraiment... J'en suis éternellement reconnaissant. Ah mais c'est mort là. Ah merde. Non! Après, j'aimerais me lancer sur Twitch, YouTube, mais j'ai peur de pas réussir. Mec, tente, hein. Je sais que c'est effrayant au début, mais... Tente, ça vaut le coup, mec, je te jure. Imagine, ça marche. Faut mieux avoir des remords que des regrets. Comme on dit. Oh, Rosen! Qui m'ajoute sur le PSN. Avec plaisir, Rosen. Avec plaisir. Comme Twitch, Dadada. The Dadada. The Dadada. Non! Putain de salope.
Oh la vache. Ok, let's go. Wouh. Mais Dada, je trouve que c'est bien quali pour un... Mais oui, Dada, c'est juste un autre univers. Ça, c'est juste... on n'a pas, pas le même âge, quoi. Dada, c'est quelqu'un de... tout le respect que j'ai pour lui. C'est-à-dire qu'on est, on est plus proche de la canne que du biberon, vous voyez ce que je veux dire? Il est beaucoup plus posé. Il a pas toute l'expérience que moi j'ai eu sur YouTube aussi avant, quand c'est à Rocket League. Intéressant, faudrait que j'aille voir. Ah oui! Ouais, c'est plus de tournage ça, Rosen. C'est quoi ton pseudo du coup, Rosen? Tu t'as pris ça? Tu t'as pas donné ton pseudo? C'est quoi ton pseudo? Quoi ton pseudo, Rosen? Ce monde va me faire chier, je l'aime pas. Je m'en souviens de ce monde sans le Dark World, j'aimais pas du tout. Nécrosant, allons-y, ajoutons-toi. Nécro... Putain, heureusement que c'est un C et pas un G, parce que mon gars, je t'aurais pas ajouté, hein. Alors, jugeons. Ouh, 51 platines. Oh, voyons voir. J'essaierai du coup, vas-y mon gars. Ouais, Bloodborne, ouais, pas mal, ouais. 4 Quest 3, ouh, le jeu simple. Ouh, je le sens, le jeu simple. Ouais, Unicorn, ok, d'accord. South Park, ouais. Qu'est-ce qu'il nous a comme jeu? Ratchet & Clank. Mm-hmm. Pas de jeu très dur, hein, ce que je vois. Pas des jeux très durs. Petit joueur. Petit joueur. Mm-hmm. Ghost of Tsushima 100%? Non, 66. Plus le temps pour cela. Non, en vrai, je comprends. Je comprends pas ceci, je juge pas. Juste pour t'emmerder. Bon, tu m'emmerdes bien suffisamment, hein, j'ai le droit. Mais merde. Puis, la chasse aux platines est là pour se faire encore plus kiffer que ce qu'on ne kiffe le jeu vidéo. Pas pour comparer son énorme sexe, même si le mien est tellement gros, putain. Même si le mien est tellement gros, les gars, vous avez pas idée. Ouais, en gros, pour moi, je dois faire ça. Merde. Ah oui, attends. Pour moi, je dois faire ça, into ça, into ça, into ça, into... Ah oui, d'accord, ok. Attends. Ah ok, ok, c'est bon, j'ai compris. En gros, ça, 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 ah ça, non, pas ça. Je t'en ai une play, toi que ça relie la PS4. Ah non, non, PS4, PS5, ça fonctionne, humilité. Ça, ça, ça. Oh la pute! Ça. Merde. Tu viens de me lancer dans la semaine prochaine de ce Twitch. Après, prends le temps, mec, hein. Prends le temps de faire un bon montage et tout. Apprends le montage. Faut se donner à fond, il faut quand même faire de la qualité. Ah oui, ok. Oh la salope. Écoute, t'es plus de team console. Ah oui, largement. Largement team console, moi. Pour jouer au jeu solo, oui. Ah! Attendez, je comprends pas. Hmm. Merde.
Oh mais quel beat. Du coup tu streams ton écran avec quoi? Elgato, une Nvidia, c'est une carte d'acquisition en PCIe de mon PC. Une Nvidia Gamer Live Duo. C'est le bandage qui me fait chier là. Ah ouais, c'est le bandage qui me fait chier. T'as combien de platines sur ce compte? 41. Ah oui, putain, je vous ai pas dit. J'ai platiné FC24 tout à l'heure. Avec CFF, Simba et Nani, Sony. J'ai platiné FC24. Voilà. Ça y est, il a enfin terminé ce jeu. Mais merde! Je déteste ce niveau, vraiment. Hein. Je l'aime pas du tout. Hein. Je l'aime pas! Putain, je l'aime pas. Putain! Gratuit le jeu? Non, il y a 15 balles sur le Play Store. C'est tellement dur. Genre ce niveau il est dur. En fait c'est le bandage, à chaque fois c'est le bandage qui me rend ouf les gars dans les niveaux. Aïe. Mais forcément je le prenne celui-là. Mieux avec Meat Boy je trouve c'est plus simple. Ah ouais tu penses? Ce personnage je pense il est plus simple avec Meat Boy? Ah peut-être ouais. Je pense qu'il glisse plus sur les murs. Merci Nissan. Merci mon gars. Mais... il m'agace. En fait faut que je fasse comment? Je fasse ça. J'aille vite là-bas pour moi. T'as des jeux cool à conseiller, peu importe le genre, tant que je peux m'amuser dessus. Pour platiner ou juste y jouer comme ça? Bah si c'est pour t'amuser, mec les Astrobot là qui est sorti, il est trop bien. C'est trop dur, je le trouve trop dur là. Attendez, je vais changer de personnage, je vais reprendre Meat. Enfin je vais prendre Meat Boy parce que il glisse plus et il est plus rapide. Peut-être qu'il serait mieux là. Ah oui, il glisse plus ou beaucoup plus. Ton son est trop petit avec... Ouais c'est ce que je me dis. Ah ouais c'est beaucoup mieux comme ça hein. Il faudrait que je le fasse, mais il est cher de fou. Un jeu pas cher, Stray, mec. Stray. Bon, après, c'est... Stray, tu t'amuses pas beaucoup. C'est juste assez contemplatif et. C'est vrai que tu t'amuses pas beaucoup sur Stray. Mais genre. Ah ouais, mais putain. Merde. Jeu de chat là ? Ouais, c'est ça. Skyrim ? Non, trop ancien, les gars, Skyrim. Ouais, Skyrim, il commence vraiment à faire vieux quand même, hein. Genre j'aurais peut-être pas dit ça il y a 5 ans mais là... Pff, Stray est très émouvant surtout. Bon faut pas déconner genre... je dirais pas... Ah putain j'ai pas de double saut c'est vrai. J'ai pas chialé devant Stray quoi. Ouais c'est vrai. Hollow Knight. Ah mais Hollow Knight les gars il veut s'amuser les gars. Hein. Il veut pas péter un câble hein. Ah salope. Bah en vrai les Uncharted hein, Uncharted ou The Last of Us. Je comprends pas comment prendre cette... Bonne nuit Simba, je comprends pas comment prendre ce bandage sans canner. Je comprends pas. Ah bah yes. Je sais vraiment pas comment prendre ce bandage sans mourir, genre vraiment.
Attends, je me demande si je peux pas genre un peu speedrun le truc. Ah si, je suis sûr que je peux. Oh nice, let's go. Ah, pas là par contre. Mais non! T'as déjà joué à Tunic? Jamais joué à Tunic. Pourtant je sais que on n'arrête pas de me dire c'est un bangers. Jamais joué à Tunic, non. Oh merde! Que la Triforce soit avec toi, mais je l'emmerde la Triforce! Moi je veux que les bandages soient avec moi! Je veux que la force de la viande soit avec moi. Comment je prends ce machin là? Attendez, je vais voir. Je vous jure, il me... C'est quel niveau? Bah, je peux pas savoir. Je ne sais pas comment prendre ce machin. En fait, tu sautes tout trop en étant sous le bandage. La glissade a monté. Bah ouais, mais après, comment je m'enfuir à le dire? Ah, c'est que là j'ai été trop lent. Genre un truc du genre comme ça, mais en plus rapide. Les autres sont touchés le mur. Ah, je pense pas justement. Je pense si je saute en touchant le mur, je pense que je peux pas profiter de l'inertie et de pouvoir sauter de l'autre côté. Mais putain d'œil de merde! Je déteste ce niveau à un point, les gars, vraiment, il me rend ouf ce niveau. Mais ouais, c'est ça le problème, putain, il faut que je me laisse tomber en fait. Merde, mais je suis con quoi. Bonne nuit, j'aime chocolat. Bonne nuit, mon gars. Merci d'être resté. Merci. Merci à toi. Et ouais, j'ai une communauté de papy qui va se coucher tôt, moi. Oh non, j'avais réussi. Tiens donc. J'avais réussi. Oh non! Bon, ce bandage, j'ai envie de l'abandonner et revenir plus tard. Je prends pas de plaisir à le faire, ce bandage. Oh, il m'énerve! Pour te faciliter la vie, la première scie, tu peux te laisser tomber jusqu'au... Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ce que je fais là. Mais ouais, mais comment je fais après? Ah mais je tombe direct à brutive. Attends. Parce que si je fais ça... Mais je peux pas! Je comprends pas comment faire là. Nique ta mère. Touche pas le mur. Mais comment je fais pour ne pas toucher le mur là? C'est dur, non? Je vais essayer, mais... Mais elle va te faire foutre. Mais... Pff, je déteste ce niveau. Ah, je le déteste au plus haut point. Genre, vraiment, je l'aime pas du tout. Comment je touche pas le mur, mec? Et puis après, je retombe et je fais comment, en vrai? C'est impossible, mec. Je comprends pas. Un saut le plus vertical possible. Ah ouais, là, c'est de la verticalité, là. Fais un saut CR1 depuis le mur en faisant gauche-droite avec ton joystick. Oh, wesh! J'ai pas fait exprès ce que j'ai fait là. T-
Topsine a resté autour de l'œil, mais va derrière le mur du haut. Hein? Attendez, je vais voir. Vous savez c'est quel niveau ça? Je vais voir comment ils font. All bandages. Spermid boy. Hop. Je vais voir. Wow. C'est giga fort. J'en suis où? Je crois que je suis pas loin de ça. Moi, je suis un peu après ça. Ah, après. Après. Parce que j'avoue que j'ai du mal à m'imaginer. En fait, je m'imagine les stratégies que vous me dites, mais comment survivre en fait? Oh frérot, je peux pas lancer de la 720p ou quoi? Mais putain, mais je ne peux pas regarder de la 720p, c'est... Genre, je suis condamné en 360p. C'est infernal! Je bug en 720p, on est où là? On est chez les clochards ou quoi? Ogmo. Non mais ça, j'ai déjà fait ça. Mais wesh! Frérot, c'est pas possible, je peux pas bugger en 720p, genre! Alors. Oh, mais lui, on a rien à foutre, lui. Ah ouais? Ah bah, d'accord. J'arriverai jamais à faire ce qu'il a fait. J'arriverai jamais à faire ce qu'il a fait. Pouf. Allez, on abandonne le bandage pour le moment, hein. Fuck le bandage, j'en ai marre. Ah oui, ça va beaucoup plus simple comme ça. Oh! Mais putain! Ah oui, putain, beaucoup plus simple comme ça. Mais comment ça? Tiens, à la gauche, je sais. Quand tu sautes du mur, c'est good. Ah ouais? Juste ça, tu penses? Ouah! Ça c'est un mec trop fort, il a déjà speedrunner. Ah ouais. Ah, j'ai essayé. Essayer vers la gauche mais. J'ai paniqué, j'avoue, j'ai paniqué. Oh. Yes. J'avoue, le petit saut en inclinant mon joystick à gauche, j'avoue que ça m'a bien aidé. J'avoue. Ah. Ouh, je suis content. Let's go. Ah non, par contre. Ah, let's go. Merci pour les trucs et astuces. Merde. Alors c'est quoi le délire de ce niveau là? D'accord, on n'a pas envie. Oh, oh là 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 là. Personne n'a envie de faire ça. Personne. J'ai demandé, j'ai fait un grand sondage avec plein de gens, personne n'avait envie de faire ça. Personne.
Personne. Personne. On dirait Cuphead. Hein? Comment ça on dirait Cuphead? T'es malade ou quoi? On dirait Cuphead. Qu'est-ce qui te fait penser à Cuphead là? J'aimerais bien savoir comment fonctionne ton cerveau pour savoir ce qui te fait penser à Cuphead. Oh! Nice. Let's go. Oh, la boucle, la boucle. Les deux en même temps, frère, la boucle. Ah là 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 là. Les deux en même temps, les deux en même temps. Oh, t'as pas envie, personne n'a envie de faire ça. Personne, personne, personne. Tu spawns, t'es mort. Oh. Hein? Oh, mais personne! Personne a envie de faire ça! C'est pas vrai? Attends, mais comment je dois faire là déjà? Attendez, je m'en souviens pas. Je sais qu'il y a une strat sur ce niveau. En vrai, c'est pas si dur. Bah, Humility, t'as jamais lancé le jeu. Oh, je déteste ce niveau. Je déteste ce monde, les gars. Et en pire, les gars, on peut pas faire ça, genre. Ah non. Mieux, tu as des murs. Ouais, ouais. Ça avance pas beaucoup. En fait, c'est le truc sur lequel. Non, je peux pas. Alors là, non, je peux pas. Le jeu est dur. Extrêmement tiltant, il donne pas envie d'être tryhard et d'être fini. Si, en vrai, si, mais il y a quelques niveaux, c'est vrai qu'ils sont pas plaisants. Hein. Ça fait partie des niveaux que j'aime pas du tout, moi. Ouais, mais comment je fais, là? Ah oui, attendez, je pense avoir compris. Ah oui, non, c'est bon, j'ai compris. Ok. Je crois que j'ai compris, les gars. Merde. Ok, j'ai compris. C'est simple en vrai, ça va. C'est simple, en vrai ça va. Merde. C'est simple en vrai. Regardez, je pense dans 10 essais j'y arrive. Même pas. Faut que j'attende plus, en haut. C'est vrai que je dis pas d'imp... Après, faut se dire les gars, vous savez que des fois, quand vous expliquez dans un chat Twitch, c'est facile à comprendre pour vous, mais c'est vraiment pas évident. Oh merde, je me casse, je m'en vais juste. Attendez, je viens de peut-être pas comprendre un truc là à nouveau. Ah si, je pense que j'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai. En vrai, c'est simple. C'est bon, j'ai compris les gars. Bon, j'ai compris, vous embêtez plus à m'expliquer. Ouais. Ok. Et bah le glitch, c'est une vraie torture. Ouais, mais pas obligé de les faire, apparemment. Je suis où, là? Oh putain, merde, j'avais pas vu ça. Merde. 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 Si ça va être encore un truc de pourtant, y'a la con là. Oh, mais quel enfer! Merde! 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 Merde. Pour les trophées, si. Non, apparemment, non, mec, hein. Pas obligé pour les... Apparemment, je te jure. Pas obligé. Je te jure que Noah Fou Furieux, apparemment, on n'est pas obligé.
Ah merde. Pas besoin de glitch. Voilà. Tu vois? Ah ok, d'accord, j'ai compris. Oh! Ah, sur Steam! Ah oui, non, mais sur Steam, d'accord. Mais je crois que les succès Steam et console sont pas les mêmes. C'est pour ça. Ok, sur Steam, je comprends. Comment faire avec Meat Boy là? Bah, c'est la même chose, non? Mais putain. C'est exactement la même chose, je pense. Je comprends pas des fois pourquoi mon personnage dit. Mais. Comment? Merde. Mais je vais trop vite. Mais... Oh. Waouh. Ah, ok, attendez. Je crois que j'ai compris un truc. J'ai compris comment je vais le faire. Oh non, à deux doigts, à deux wads, putain. Bonne nuit, Harrison. Bonne nuit, les gars, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Merde. Oh merde. Oh, c'est compliqué à comprendre. Tu vois jusqu'à quelle heure, je sais pas, jusqu'à ce que j'en ai marre. Il est 23h10, en vrai ça va, j'aime bien jouer. Pour une fois que je fais une nocturne les gars. Bon, je sais que les lives Pyramid Boy c'est pas les plus intéressants. Parce que je fais des lives où je tryhard et du coup je parle pas beaucoup mais... Oh la vache. Let's go, ok. C'est vrai petit pomme? En full legit? Non. En full legit? En full legit petit pomme? Ou genre avec la technique du mode de jeu. Mais... Yes, y a pas de mode de jeu. Ah ouais, tu l'as... Mais comment t'as fait? Mais c'est que t'es trop forte au jeu ou quoi? Comment je suis censé faire les gars là? Attendez, y'a un autre qui arrive ou quoi? Y'a un autre qui est censé arriver ou quoi? Je comprends pas. Niveau sur ce niveau, je te conseille Meat Boy parce que t'es pas assez rapide. Ok. Ah yes. Merde. Merde. Je sais pas, j'étais full focus, j'ai eu de la chance de tomber contre des gens pas trop forts. Ok, putain mais mec... Enfin, je sais pas comment tu fais parce que moi je trouve ce jeu vraiment est devenu trop dur mec. Ouais mais... Comment je fais là? Mais... Ah mais déjà faut que je fasse ça, ok déjà faut que je fasse ça. Merde. Merde. Ouais, je viens de comprendre, Malioub. Ok, la vache. Merde. Merde.
Vous savez qu'il m'a fait peur pour premier degré. Genre, c'est vraiment... Wesh, c'est une folie de faire ça. Il n'y a pas à faire ça. Putain. Ah. Ouais, je vais voir comment on fait le niveau. Mais... Putain, alors... là, The Kid serait beaucoup plus simple quand même. Hein. Merde. Bah franchement, GG, petit pomme. Hein. Moi, j'ai jamais osé le faire en legit, hein, j'avoue. Si tu veux plus rapide, droite, gauche, droite. Ah ouais, c'est plus rapide, ça? Je trouve pas. Je sais pas, hein. Ah, peut-être. Parce qu'en fait, je trouve que... Ah, je sais pas. Je trouve pas, hein. Oh. Le pas legit, c'est genre le mode avec deux gros... Ouais, c'est riche en sucre, petit pomme. Mais... Mec, c'est du harcèlement, c'est du harcèlement, genre. C'est du harcèlement, genre. Mais... Faut me laisser tranquille, en fait. Faut juste me laisser tranquille dans la vie. Merde. Ah! Mais non! Merde, je suis con. Merde. Putain! Si tu tombes sans coller les murs, ça va plus vite. Si tu tombes sans coller les murs, c'est-à-dire... Ah oui, ok. Là, je vois. Ah merde, y'a de la... Putain. Non mais c'est dur, hein. Ah merde, merde. Putain, fais chier. Ah, la salope de... Oh non! C'est trop dur! Merde, j'ai appuyé sur le croissant faire exprès. Ah oh, putain. Qu'est-ce que je suis impatient d'être no death run, putain. Je suis trop impatient d'être no death run. Vraiment, j'ai trop envie de pas mourir là. Ça m'emmerde là de faire les bandages et tout là. Ça me fait chier là. Non, franchement, j'ai le petit pomme. Mais faut me laisser tranquille, genre. Putain, par contre, avec The Kid, ce serait tellement plus simple, genre. Attendez, et je peux vraiment pas avec The Kid, genre, là? Ah oh, ouais, c'est vrai que t'es mou du cul, hein. T'es vraiment lent du cul. Ah, c'est possible, je suis sûr que c'est possible. Oh. Ouais. Après, comparé à peut-être... Non, un petit peu. En vrai, Fall Guys, vraiment, c'est un bon gros 10 sur 10, hein, sans... En full legit, c'est vraiment un bon gros 10 sur 10, hein. Franchement, putain, ça m'angoisse.
affreux, 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 affreux. Oh putain, j'ai eu chaud. Mais comment je suis censé... Attends, c'est ça le, ce que je dois faire, les gars? C'est aller de l'autre structure directement? Je comprends pas. Merde. Le 10 sur 10, le plus facile pour toi? Bah, Trackmania Turbo. Oui, ok. Tiens, c'est vraiment un saut précis, hein. Mais meurs ! Putain ! Mais... Oh, toujours ça me tend le gag. C'est pas, pas un 10 sur 10 Trackmania. Si ! C'est un 10 sur 10 non Trackmania ? C'est un 10 sur 10 Trackmania Turbo sur PSTHC. Tu peux temporiser en bas. Attends. Gauche hors de la lave, puis au-dessus quand elle est là. Va au-dessus quand elle est là. Genre ce que je viens de faire là? Courage, lâche pas, je vais pas lâcher, hein, de toute façon, je vais l'avoir ce platine, les gars. 8 sur 10 sur PSTHC. Trackmania Turbo PS, 10 sur 10 sur PSN Profile, je crois. Hein. Mais vas-y, ça me rend ouf. Mais c'est impossible. Faut vraiment le saut de précision de malade. Genre faut être giga précis dessus. Mais je comprends pas d'où. Ah oui, petit pomme. Moi j'ai mis de l'argent dans Super Meat Boy, je m'en souviens, petit pomme. Bon maintenant je pense qu'avec le trophée que t'as eu, genre mettre de l'argent, ça te dérange limite pas quoi. Mais comment? Faut juste attendre. Ah y'a une plateforme. Ah d'accord, y'a une plateforme qui nous emmène. Ah d'accord, mais faut le bloquer. Ah d'accord, je croyais qu'il fallait faire le saut. Passer sur le wall à droite pour temporiser et esquiver. D'accord. Ah oui. Ça me paraît logique maintenant. Comment ça t'as mis dans Super Meat Boy? J'ai pas mis dans Super Meat Boy, j'ai mis dans Fall Guys. Moi j'ai mis de l'argent dans Fall Guys et FIFA 24 pour le platine. Ah oui, regardez. Ah d'accord. Ah oui, des cœurs. J'ai compris. Oh bah j'ai paniqué. T'es dans une warp zone? Non, dans un niveau normal là. Les warp zones en vrai ça va, je le trouve ok tier là. Ceux d'aujourd'hui, ceux que j'ai fait aujourd'hui. Un jeu de plateforme ou de survie? C'est un jeu de tout. C'est un jeu de tout mec. C'est toujours c'est un jeu de tout. Merde, je suis en train de regarder un truc. Dans lequel je revais le platine. Je revais le platine. Ah, tu devais le platine. Mais moi, je l'ai eu enfin aujourd'hui, là. Hein. FC24, là. Mais non, je suis vraiment une gigatub. Hein. Je l'ai eu aujourd'hui, le platine de FC24. Je suis content, parce que j'avoue que... Nettement, il y a une warp zone dans ce niveau. Mais non, arrête. Mais il peut pas y avoir une warp zone et un bandage. Arrête. C'est pas vrai. Pourquoi tu mens? Ça sert à rien de mentir, les gars. Non, il n'y en a pas. Ah, merci. Merci.
Si, je te jure. Il y a deux qui me donnent des astuces de ouf. Se contredisent. Mais après, RALDIR, il... J'irais plus un penchant pour RLDR. Hein. Dans le light, il y en a une, pas dans le... Ah, dans le light. Ah mais, elle peut venir là? Elle me voit avec la scie? Je me suis dit, mais je vais bien me voir. Mais elle me voit, mais je sais pas. Oh là là. Attends, vous m'avez dit où est-ce que je peux temporiser sur le mur à droite? J'ai pas compris sur le mur à droite, c'est-à-dire. Reste en bas. C'est plus facile pour esquiver. Ok. J'ai été une quiche là. Merci Cézo. Merci mon gars. Bon, je sais que les lives Super Meat Boy c'est pas les meilleurs parce que c'est live où je suis en full tryhard. Mais quand on sera en Odesse, ça sera beaucoup plus fun. Bien vu. Oh bah il m'a niqué ma mère. Et quand est-ce que je dois y aller? Mais putain. Ah c'est une safe zone ça, Jizzy. C'est bien ce que je me suis dit à un moment. Oui une safe zone des 7. Ouais c'est bien ce qui me semblait hein. Dès que la plateforme est sortie de lave. Ah ouais, dès que la plateforme est sortie de lave. Il y a une belle moustache, merci. En vrai, elle est pas si belle. Hein. Moi, j'en connais des streamers avec une moustache. Ah oui, ouais. Ouais, je vois. Merde, je fais pas le niveau normal. Ah, c'est mort. Ah si, c'est bon. Exactement là. Ouais, j'y suis allé tout à l'heure sans faire exprès, je crois. Ah la salope, ouais. C'est tendu d'y aller. En vrai, je trouve que ça va. Vous avez raison! Faut surtout que Sebob arrête d'avoir des têtes chercheuses. J'ai l'impression qu'ils prennent 5% de mon espace, de l'espace de mon écran, et pourtant à chaque fois ils me touchent, genre. Mais putain, mais je peux pas la prendre ce bandage là, je peux pas le prendre ce salaud de bandage. Même pas une seconde pour respirer, mec. C'est quand même assez cruel, en vrai. Hein. C'est quand même cruel. Hein. Attendez, je crois qu'il y avait une technique ici. Je crois qu'il y avait une technique ici. J'avais vu un speedrun où il faisait ça, attendez. Attendez, il faisait ça. Merde. Attendez, il y a une petite technique. Un petit speedrunner. Ah merde, faut pas que je touche, ok. Voilà, comme ça. Ah, que c'est paisible. Nice. Bandage dans le mur gauche. Hein? Tu racontes? Ah oui, putain.
Ah, yes. Ah! Mais merde! Mais merde! Oh, petit pomme! Bah, merci, petit pomme! Mais merde! Mais merci beaucoup, petit pomme, ça régale, merci pour ces 5 subs! Et petit pomme, tu devrais pas économiser pour mettre ce que tu devais mettre dans. Dans Fall Guys, merci, petit pomme, tu régales! Merci beaucoup, c'est très gentil! Merde! Merci, petit pomme! Mais putain! Ah oui, c'est vrai, merde! Après, je sais pas si tu vas devoir mettre beaucoup, mais bon. Oh la salope. Et merci beaucoup, petit pomme, ça régale. W, petit pomme! Let's go. Merci infiniment, petit pomme! Merci beaucoup, ça régale, merci infiniment. Tu casses un bloc et tu te caches sous les autres traces avec The Kid en haut à droite de la map et tu tempo l'ascenseur. Ok, faisable avec The Kid donc. Merde, attendez, je crois que Chica m'a fait un truc à manger. Ouais, vraiment, bah oui, Fabien, mais de ouf, hein, mais vraiment, un milliard de fois. Hein. Attendez, on va reprendre The Kid quand même, la base, là. Il faut tous les bandages. Il me semble qu'il faut tous les bandages. Oui, il faut tous les bandages. Putain, je vais manger en stream, les gars. Je déteste ça. Je vais manger des gyoza en stream. Oh là là. Comment je passe cette merde, moi? Mais... Peut-être acheter sur PSN avec 50 000 points de chaîne. Ah, je me prends pas pour de la merde. Hein. Oh. Oh mais quel beat! Oh mais alors là c'est... Alors là! Ah putain. J'ai envie de péter un câble de mourir comme ça. Ah bah là aussi, tiens donc. C'est la personne qui plane... Non ça va, j'y arrive le saut. Ah. T'as ça, j'ai un peu moins. Merde. Mais merde. Ah merci. Merci beaucoup. De rien. C'est chaud. Oui. Ah putain. Excellent, ils ont l'air excellents. Chica qui carry la réussite des Dark World. On va pas lui approprier non plus tous les mérites, hein, et puis quoi encore. Montre à la cam, attendez. Oh c'est des gyoza, hein. Oh j'ai de la chatte. Oh non! Oh là là! Oh, c'est pénible! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ah ouais! Oh, t'as pas envie! Personne n'a envie de faire ça! C'est... J'aime pas les... J'aime pas ce monde! J'aime pas ce monde, les gars! J'aime pas ce monde! Jusqu'à la boss! Ah ouais, c'est une boss qui bosse! Hein. Voilà, des gyoza, les gars. Ouais, ça paraît fou, les gars. C'est des gyoza qui ressemblent à des gyoza, quoi. Ouais, je sais. C'est ça, c'est fou. Ça peut vous paraître assez dingue. Mais merde! Merde! Tu manges que ça, hein, mais... Écoutez, ma copine me maltraite. Il y en avait 15, mais on m'en a laissé que 2. SOS. Merde! SOS, petit ami en danger. Oui, il y a trop d'étapes à enchaîner. Mais ouais, il y a tout ce que je déteste, genre. Le mec mange à 23h30, tout va bien. Le mec complètement fada. Le fada de la vie, quoi. Je suis un fada. Ah ouais, je vois, Heraldir.
ton éclairage ou tu as un big soleil chez toi? Oh, c'est mon éclairage. Faut que j'aille pisser les gars parce que sinon je vais vous pisser dans la cam. Je pense que personne a envie de voir mon énorme prépu. Non, il faut que j'aille pisser. Je vous jure, je suis impatient. Quand j'ai envie de faire pipi, je suis impatient. Attendez, j'ai chaud. Fait chaud les gars. Je mange mes 2 gyoza, je mange mes 20 grammes de nourriture de la journée. C'est chaud sa mère. Je déteste ces niveaux, vraiment j'en ai tellement marre de ces niveaux. Bon app, merci les gars. Aujourd'hui c'est double portion en plus, double portion pour moi. J'en ai de la chance. Non, les gyoza ils sont limite mieux, meilleurs que celui du resto alors que c'est des surgelés. Ah hé ho. Hé ho Hammer. Ouais, attendez, et qu'est-ce que je dois faire après? Ok. Oh. Faut que je prenne Meat Boy, je pense. Picard, non. Je pense qu'il faut que je prenne Kid, c'est mieux. Ah ouais? C'est vrai que déjà le saut est plus dur là. Ça là, salut Alpha, ça va? Pff, je sais plus parler. Ça va ou quoi, ça fait longtemps? Ah oui, mais ça va être impossible pour ça. Ah, quoi que. Mais ça va. Oh. Oh, maman, oui, oui. Débouillé. Mais maintenant, je vais aller avec... Bah ouais, je me doute, toi, Alpha. Je me doute bien. C'est vraiment mieux, ouais. Mais en fait, ça rend les choses... Kid rend les choses moyennement difficiles. Très facile, mais les trucs difficiles encore plus durs. Merci Matt. Merci Matt. 5 pour ton sub niveau 1. Merci beaucoup mon gars. Merci, vous avez été très nombreux à vous sub et même à sub guest aujourd'hui, c'est très très gentil les gars. Merci infiniment, c'est très gentil. Merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Oh. Je crois que c'est... Oh, le truc parfait, genre. Juste pour la moustache et tes streams. Ah bon, choisir. Soit la moustache, soit la moustache, soit les streams. Je sais plus parler. C'est trop tard, là, pour moi. Hein? Ça m'emmerde! Qu'est-ce que je déteste les yeux, franchement. Aïe. Je déteste les yeux, mec. Ça me rend ouf. Les neuils.
J'espère que c'est la dernière étape après, hein. Merci beaucoup, Mats. Putain, d'ailleurs, les gars, je vais être sponsor par une marque que j'adore sur Twitch, là. Ouais, je suis au monde noir, ouais. Je suis au monde 4 noir, là. Alpha. Je vais être sponsor par une marque que j'adore. Alors, oui, vous savez que je vais être sponsor par Oli, ça, tout le monde le sait. La terre entière le sait, de toute façon. Ah, oh, ok, c'est aussi simple que ça. Oh, je l'avais pas vu! Ok, j'ai trouvé une... C'est Oli. Ouais, Oli, ça, c'est sûr. Ouais, ça avance un petit peu, ça avance un petit peu, Rito, ouais. Oli, je vais être sponsorisé par Oli. Mais aussi, je vais être sponsorisé par une autre marque que j'adore pendant un mois. C'est Holskern. Je pense que vous connaissez Holskern. Mais je suis bloqué. Mais je suis con. Emma, non, malheureusement. Vous connaissez Holskern? Ou que tu connais pas? Truc en bois. Wesh. C'est quoi? Wesh, type homme. Truc en bois, c'est un peu mieux que des trucs en bois quand même. Les trucs en bois XD. Des marques de montres en bois, ouais. Oh ouais, putain la vache. J'ai envie de niquer des mères. Bon, en fait, le niveau est simple en fait. Le niveau est simple, genre. Mais ça me saoule parce qu'en fait, il y a une mini hitbox qui me bloque là. Wojum jusqu'à Bandage Girl. Ok. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai fait, quoi. On réussit. En vrai, ce passage, il est facile, finalement. Ah, c'est simple. C'est simple, les gars. Ça va, c'est simple. Oh, j'ai fini le chapitre 4! Oh, let's go, putain! Il manque un bandage, en plus. Plus que... Oh, putain, les gars. Dernier chapitre. Après, c'est le chapitre à 5 niveaux. Et après, c'est Coton à l'ail. Wouh! Allez, les gars.